Siège au milieu des louanges d'Israël. Merci bien. Oza après-midi à Kitok. Après-midi à Kitok. On m'a dit, Les disciples Richard, dans notre Seda qui est cher, a pesa qui écriture, mes frères, a qui positionné. Nalité a kabo ya Simbi, mon ami que Ramsès est a situé, boye. Kola zwa lukum. Et tant que tu n'as pas moutouna, attends la kati a lité ya. Kose la rate mouté ya tel mabi, si kona zo répondre la question wana, et la kape bien, mais. A quoi qui peut vous parler de la vie, mais la qualité, la réponse à la question est bien. Préoccupation, s'il vous plaît. Oui, Zambia soit le Kumu parce que Azali merveilleux. L'être qui pense ça. Aïe, à Tongi Malobango, et c'est à moi. Zambé, Azou, parce que Ezali, oui, parce que Azali, pour réveiller, pour révéler. À comprendre ce qu'on parce qu'il y a ça révélé baumbunaye les mystères cachés afin que tout est à bas pourvu que tout à la emporter n'a pas faux enseignant tout à la emporter n'a pas faux enseignement bon premier à l'obiboy kolandana na Dikomi ya Romain, chapitre 9, verset 28. Tango persécution,
ezokota oui tango persécution ezokota bato nyonso bapanzani etikali kaka ba apôtre est-ce que ya komiawa Romains chapitre 9 verset 28. Oui. OK. Est-ce que Jérusalem na tant wana biloba ezalaki ou pas? Parce que quand il y a la paix, la présence des apôtres, il faut qu'il ait aussi la présence des adeptes. C'est pour comprendre la question là. Habitant quoi persécution, donc tango apôtre Bapanzana qui est-ce que Batimoussou est Tikalaki, il obézalait Kakuna, pour ceux qui batoma, bazate, il était appelé Zate, ceux qui bazali, il était à Ebozala. Deuxième, Tozoteama, que partout où nous sommes, tout défendre l'évangile, oui, les amas l'amour. Tout ça la kayango, tout ça la kayango, parce que tout ça n'a pas armure. Oui, tout ça n'a pas armure. Il y a qu'on défendre. Mais, arrivé quelque part, na point ya sainte scène, tozozanga ba argument. Bon, nini, tozozane la yangote, or Dieu a tout mis dans sa parole. Et la sainte scène, c'est la parole de Dieu. Merci. Ezali Ngawabino, bien-aimé Jean Boula. Motuna na yo etunamaki, eyano ekoya, nata o zambe akopesa, kolazwa loko. Gumba motu, sambela, epsa na zambe ate ya na poko alelo, sambela na kombo na Yesu Kristo. Seigneur de gloire est tout puissant, après-midi alelo na mitiki sou na maboko na yo, et de yon de okoba, na kote anga. Kokolisa koyebi, kokolisa kondima, kokolisa kolingo, kokolisa nyonso kati na ngambo etali kozambe. Po ete mokolo lipata ekoya mpona kozwa nzoto na yo ezali ekelezi ya mwasi no na libala, nazala parmi binama ya nzoto na yo po ete nazanga te. Okomisama ya we, osanjola makolo, itilize pwisama mosali na yo, po ete akomunike biso rien ke. Ainsi dit l'Éternel. Na kombona Jésus-Christo, Olobi. Amen. Amen. Nous omettez la parole, Maboko. Et vous tenez ici, mon chapoli. Et l'on va la traducteur. Voilà, vous tenez à tout. Que la paix de Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun. Nous savons que c'est le Seigneur par son amour qui nous a donné ces moments. Si toi et moi nous inspirons, c'est la grâce de Dieu. Et David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et David a dit, qui était Natoni Samine Sengo, Tango, Basali Koebisanga, Itokende, Nanda Kwankolo. Yope, il faut y baka kenda kwanzam, bezanda kwa solution. Et toi aussi, tu dois savoir de ton côté que la maison du Seigneur est celle de solution. Zanda kou, oyoyo, ezoko kisabiso.
C'est une maison qui nous prépare. Les choses ou les services qui se passent dans la maison de Dieu, ce sont des services qui ne se passent pas, qui ne se font pas ailleurs. C'est la maison de Dieu qui est au-dessus de toute la maison. Parce que c'est la maison de Dieu. Écoute toi-même, maison de Dieu. Donc ce n'est pas la maison des mortels. Sache que dans des problèmes où tu n'auras pas de solution chez un homme, dans la maison de Dieu, tu auras des solutions. Parce que c'est la maison de Dieu. Les pains où ils ont distribué, l'ipa où est kabola mikuna, ils ont la guérison, ils ont le pico, ils ont la solution, ils ont l'ina biano. Ce que je dis à tout moment, il faut que tu aies cette assurance-là en toi. Et il faut avoir aussi la fierté à l'égard du Dieu que tu as cru. Fierté. L'itundu. Savoir que j'ai un vrai Dieu. Et c'est Dieu qui fait des montagnes de plaines. Il a promis à la fin de toutes choses que sa parole fera disparaître tout le zoo, le grand zoo que nous voyons. Toi-même considère comment sont grandes ces zoos. Mais par sa parole, il vous a la soutenu. Ces eaux-là disparaîtront. Il faut comprendre la grandeur de la parole. Donc cette parole est capable de faire disparaître des grandes eaux. Et ce Dieu-là est seulement incapable de faire disparaître la maladie qui me tourmente. Pourquoi tu dis? Cela ne se fera même pas par tes propres efforts. C'est parce que le Seigneur a besoin de se glorifier. Il se glorifie dans les problèmes qui nous arrivent. Lorsqu'il nous donne des solutions, alors sa gloire s'accroît davantage. Vous vous rappelez les critiques de Pesach dans Psaume 138? Rappelez-vous à l'écriture donnée dans Psaume 138. La renommée Yanzambe s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Koyebana Yakombo Yanzambe et Panzana Makasi na kokukis nanzela kokukisa kabila kanae. Donc lorsqu'il accomplit ses promesses, donc sa renommée s'accroît davantage. Il faut tant que vous en rappelez qu'il y a ma promesse. Il faut les rappeler ces promesses dans tes prières. Tambala bazalaki ko invoquer Nangomba na Balak. Lorsque Balak et Balaam invoquaient ou faisaient des enchantements sur la montagne, Balaam a ébaki que Nzamba ébisaki que c'est mon peuple, c'est un peuple béni. Balaam savait que le Seigneur lui avait dit que Israël est son peuple béni. C'est la phrase que le Seigneur lui avait dit dans Nombre 22. C'est la phrase que le Seigneur lui avait dite dans Nombre 22. Un peuple béni. Libotawe pambolama. Babiloko nyoso asalaki pona ko maudire le peuple. Tous ces enchantements qu'il avait fait pour maudire Israël. Alors dans Nombre 23. Il a dit dans Nombre 23. J'ai reçu l'ordre de bénir. Nazu motindo ya ko pambola. Alors ce que Dieu a béni, on ne peut jamais le maudire. Et c'est ce qu'il racontait à Balak, le roi de Moab.
Si le Seigneur bénit quelqu'un, même si nous faisons nos enchantements ici au roi, toute notre divination, ce peuple-là ne sera jamais maudit. Il continue en disant, l'enchantement ne paie rien contre Jacob. Ni la divination. Même si les gens font leur divination, leurs enchantements, ne paie rien contre Israël. Et qui est le commandant contre Israël? Comme Israël spirituel. Et c'est toi aujourd'hui qui es Israël spirituel. Il faut croire. Et Seigneur nous dit, amen. Qu'il va kisser. Il nous connaît sur la bataille. Et qu'on caillote. Que les enchantements, la divination, la sorcellerie ne pourront rien contre toi. Il faut d'abord un dimanche. Il faut que tu aies cette conviction. Accident. Même si on te tend des pièges pour commettre des accidents, et ça, tu vas passer au nom de Jésus-Christ. Aux béni de l'Éternel. Au Pamolama na Yahweh. Que cela soit en toi. Naza béni de l'Éternel. Que je suis béni de l'Éternel. Amen. N'importe quelle pression de l'ennemi. David a zaboloba. David disait. Ata baye bele. Même s'ils viennent nombreux, au nom de Dieu, na kotaye bango en pièce. Na kombo na Yahweh, na kolonga bango nyonso na kuboma bango. Animaka ke yefaso elonga. David croit toujours qu'il doit avoir la victoire. Amen à poursuivre l'ennemi jusqu'à ce qu'il ait exterminé bango. Je les poursuivrai jusqu'à leur extermination. Et le côté où il m'a dit ça, on a fait un mot. Il n'y a rien qui peut t'épouvanter sous ce soleil. Ma belle, ça y a papa na yo. La terre appartient à ton père. Banzeto, ils ont mon état, ils ont partout. Il y a tata na yo. Tous les arbres que tu vois appartiennent à ton père. Loupam, mon ami, non. C'est votre parcelle, bien-aimé. Bibale, oui. Donc les eaux, les eaux, vous appartiennent. Il faut croire que je suis un fils ou un enfant du roi. Quel que soit l'enchantement, quel que soit le projet, quel que soit le projet qu'ils pourront concevoir. On a dit que tu ne vas pas te marier dans votre famille, on ne se marie jamais. Moi je vais me marier. Même à 45 ans, je veux me marier. Je le crois. Pour enchantement ne paie rien. Pour être Mikila qui les coquille au comment côté. Je le crois. C'est comme ça les bénis de l'Éternel. Et ça pomponde ba enzambe a pambola ba tato la ka. Il ne peut pas demeurer dans des soucis à cause des paroles des hommes. À cause des mauvaises paroles des gens. Non, bazabatu. Non, ils sont des hommes. Bazabanzambete. Ils ne sont pas de Dieu. C'est la parole de Dieu que je vais saisir. Parce que c'est sa parole qui s'accomplit toujours. Il faut voir que quand je crois la parole. Seigneur, je suis béni. Amen. Na pambolami. Li pamboli munene za ke malédiction za na makokite likolo na yo. La grande malédiction est que aucune malédiction n'a de pouvoir sur toi. Dieu a ôté l'iniquité. Zambe a longoli li sumu tombe bananga. Oza béni de l'Éternel. Yo o pambolami na Yahweh. En Jésus-Christ. Na kati ya Christo Yesu. Confiance en un feu dans vraiment la cathédrale. Cette confiance doit demeurer dans ton cœur. Oyebake, savoir na bengami na bikela bilaka ya Nzambe. Je suis appelé à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Ma combat est côté des mains. Le combat surgiront. Ezaka pona kotali sake Nzambe na nga za molongi. Mais c'est seulement pour montrer que mon Dieu est un grand vainqueur.
C'est de cette façon-là que tu dois voir les choses. Et puis tu dois savoir déclarer victoire. Déclarer la victoire dans tous tes problèmes. Seulement quand Moïse avait dit, les Égyptiens que vous verrez, vous ne les verrez plus jamais. C'est ça la belle confession. Cette maladie ne reviendra plus jamais. Tu déclares. Et cela se fera au nom. Pose un pouvoir. Parce que tu as le pouvoir. À Jésus-Christ, à ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir. Vous allez moindre d'être un enfant de Dieu. C'est tout un pouvoir. Il faut ça. Il faut l'exercer dans ta vie. Au sein de l'amour devant des problèmes, tu vas l'exercer devant le problème avec foi. Nakodima, on dit misama que ni kambo il fait bon wamo. Et t'as persuadé que ce problème doit changer. Situation est s'élever, faut que cette situation doit partir, doit disparaître. Faut croire. Essayez de douter. Ne doutez rien. Le Seigneur se réjouit lorsqu'il voit son fils comprendre qu'il est béni. Il vraiment celui-ci comprend la chose qui est en lui. Le diable, Satan, attendaka. Ayaka komeka. Donc la lingala tolobaka komeka. Donc quand il vient tenter, c'est-à-dire il n'est pas sûr qu'il y parviendra. Comment toi tu as peur de ces tentations? Lui il tente, il n'est pas sûr. Il va profiter au cas où tu oublies ton identité. Alors il va oublier. Mais quand tu connais ton identité, vous a béni de l'Éternel. Oyo pambo la mana Yahweh. En Jésus-Christ. Na katia Christo Yesu. Ako kita na sa matambe na yo. Il va se rabaisser sous tes pieds. Des grandes situations, il y a un problème, il y a un problème. Les grandes situations peuvent surgir, mais tu dois confesser que ces problèmes, c'est pour que Dieu puisse s'élever, se glorifier dans ma vie. Ne commence pas à te plaindre, oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Déjà, il avait dit qu'il ne nous abandonnera pas. Comment tu peux encore te poser la question, oh Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Il avait dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il est toujours là. Azawana. Il est toujours là. Pesamusala nae. Et puis c'est son poste. Aya kosungayo. De te venir en aide. Et lokwana il faut vraiment étendre na kati na yo. Il faut que cette chose, cette confiance remplisse ton cœur. Au tambola. En joie un vainqueur. Que tu puisses marcher avec la joie d'un vainqueur. Parce que le sang de Jésus-Christ, le col les alakis donné. Et comme le sang de Jésus-Christ était versé, il le dit, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Christ. Nous allons et le fait que vous allez dans victoire. Et le fait même que tu as cette victoire, vous matin. Ne recule pas. Affrontez. Affronte le problème. Problème mes amis, tiens ma bonne connaissance, sambela et cosité. Il y a un problème, mets tes genoux par terre, prie et le problème va céder. Le juste vivra par la foi. Yegebene bakobi kana zela kondima. Akobi kana ba toute te. Et non par de toute tembe, mais la foi. Na kondima. Donc il faut exercer la foi. Donc il faut exercer la foi. Les malins viennent comme si pour terrifier.
Lorsque le diable est terrifié, si tu te vois dans la vision d'un homme mortel, tu vas reculer. Les combats d'Israël contre le Philistin. Goliath ne cherchait qu'un homme. Vous faites sortir seulement un homme. Et de notre côté, moi déjà, je me présente. Si la personne que vous allez présenter me vint ou vient vers moi, tous les Philistins vous seront assujettis à vous, Israël. Mais si je viens aussi à vaincre votre frère là que vous allez me faire sortir, et vous les Israélites, vous serez aussi nos esclaves. Et ça va 40 jours. Cela avait fait 40 jours de terreur. Le défi à Goliath. Le défi de Goliath. Mais David est envoyé. Mais lorsque David est venu dans le champ de bataille, il a compté les bienfaits de Dieu. Il a dit babola munzamba sala. Dans la vie. Dans la vie. Lorsque tu vois le combat qui est devant toi, il faut tourner les regards pour regarder les exploits de Dieu, les exploits passés. Cela va te fortifier de combats à venir. Lorsque Goliath lui a dit, Saul lui a dit, mon fils, parviendras-tu? Cet homme-là est guerrier depuis sa jeunesse. Écoute David. J'ai gardé les troupeaux de mon père là-bas dans la brousse. Lorsque le lion venait, ou bien l'ours, s'il arrachait, il j'ai couru, j'arrachais la brebis de sa gueule. Mais ce qui contre moi, mais s'il s'est redressé contre moi, Azalaki Goya Kopanza. Je l'ai frappé. Le Dieu qui m'a délivré de la queue du lion et de la patte de l'ours, il est capable de me donner la victoire contre cet incirconcis. Il a compté les bienfaits de Dieu. Il a compté les bienfaits de Dieu. Il faut regarder en arrière tous les exploits de Dieu dans ta vie. Il faut tanaka. Et là, on est dans le cuisson du bosso. Qu'est-ce qui va te faire trembler à l'avenir? T'as le parcours où sur ta molly. Regarde les parcours que tu as déjà fait. Na ba faiblesse na yo. Même dans tes faiblesses. Na berel na yo nzamba soutenu na yo. Même dans tes erreurs, le Seigneur t'avait toujours soutenu. Osalaki même un pagan. Tu étais même un grand païen. Asimba yo. Le Seigneur t'avait soutenu. Parfois, le jour où tu étais né, tu connaissais combien de morts étaient dans le monde. Tu pouvais compter le nombre de morts. Mais le Seigneur avait préservé ton souffle dans toi. Parfois, d'autres étaient nés dans de mauvaises conditions. Mais tu as survécu malgré les mauvaises conditions de ton accouchement. Quelle sorte de villageois, des gens de village étaient venus te porter? Est-ce que vous allez vous contrôler? Maman, cette maman est sorcière, elle ne me porte pas. Là, les bébés disent, et tous venaient gentiment. Ah, maman, t'es là, moi, t'es moi. Maman, tu connaissais leur cœur. Mon soir, et l'autre disait même dans son esprit, qu'il arrête même de vivre. Mais c'est seulement Dieu qui sera le cœur de cette. Toi, tu étais bébé inconscient. Et programme de salimité. Mais. Programme de salimité. Mais le programme du méchant ne s'est pas accompli. Yo bébé. Toi, un bébé inconscient.
Il pouvait même se faire que maman t'abandonne entre les mains d'une personne d'un état d'âme inconnu toute la journée. Yo, yo, yebitoza bébé, maman peut souci à vous que le bilan à colia. Et toi, qui ne pas moutre. On t'abandonne entre les mains d'une personne d'état d'âme inconnu. Mais nous avons dit que nous avons dit que nous cette personne la fera avec toi pendant toute la journée. Mais il ne parvenait pas toujours. Toi, bébé inconscient. Hein? C'est Dieu là. C'est seulement aujourd'hui là. Tu le connais. Maintenant Satan, maintenant Satan parvient à te vaincre, à te cribler. Non, ne donne pas cet accès-là. Il faut mentionner les bienfaits de Dieu. Sache que je suis un vainqueur. N'allonga déjà par l'œuvre de la croix. Ces combats, j'avais déjà vaincu par l'œuvre de la croix. La victoire que le Seigneur a permise. La victoire que le Seigneur nous a donnée. Et nous sommes dans la victoire. Et nous combattons dans la victoire. Et ce que Dieu dit à moi dans la carte, c'est cette assurance-là. Et le Seigneur aime voir cette assurance-là dans toi. Osalana, une vie vraiment assurance que. Que tu aies vraiment une vie d'assurance que tu es un vainqueur. Et ça va vraiment la cantinaire. Que cela demeure vraiment dans ton cœur. Ne recule pas, bien-aimé. Que le Seigneur a pambola yo vraiment. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Que le Seigneur te bénisse et te fasse beaucoup de bien. Que tu n'aies point ou plus de soucis parce que ton Dieu est vivant. Aza vivant. Aza na bomoi. Et azaliyo ya keseni na biloko nyonso bato bazali kobenga banzambe baza banzambe te. Il est différent de toutes les choses que les hommes appellent Dieu mais qui ne le sont pas. Tika komi plaindre pa ya bato ya mabele. Arrête de te plaindre chez les mortels. Le souffle que tu gaspilles pour parler avec les gens. Il faut mobiliser ce souffle pour la prière. Fendez devant mon mabele pour que nous mettions la pluie d'une heure. Tu es là devant un mortel en train de te plaindre plus d'une heure. Mais bah mon Dieu, sur nos yeux, bah on a parlé sans mot, donc on ne pas jamais. Mais tous ces mots-là, tu peux les dire à Dieu dans la prière. Suis la mode tant qu'on a ma bonne délit. Prends le temps dans la prière. Zambaloba qui il écoute tes prières. Il avait dit qu'il écoute tes prières. Oui, il écoute tes prières. Avant que tu n'aies pris, connaissais tout ce que tu veux dire. Avant aussi, il s'assied à nos lacs. Avant que tu ne termines, il t'exauce. Et il donne plus que ce que tu as demandé dans la prière. Regarde vraiment les merveilles, les bonnes paroles de Dieu. Zala l'assurance. Et l'assurance, bien-aimé. Osana sauveur, Jésus-Christ. Un sauveur qui est Jésus-Christ. Oui, Azali, solution pour nous en tout. Oazali, Yanonali, Kamonion, sur Abomoinayo. Tout en ayant un texte, Nabisson, Nakati, tu voyais pas qu'on répondre aussi à ma question, frère, par la grâce de Dieu. Nous lisons d'abord notre texte et après nous saurons répondre aux questions du frère par la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, Apocalypse, chapitre 6. Apocalypse, chapitre 6. Versets 7 et 8. Versets 7 et 8. Pasteur Seba, pour nous voler la mission, on a l'ingalatant toujours. Pasteur Seba va nous aider avec la traduction. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendais la voix du quatrième être vivant qui disait viens. J'ai regardé.
Et voici Paris, un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui est monté s'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fit donner sur les cartes de la terre. Pour faire périr les hommes par l'épée. Par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Que Dieu bénisse la lecture. Amen. Dieu saint. Le bien-aimé a posé des questions par la grâce de Dieu. Le bien-aimé avait posé deux questions par la grâce de Dieu. Tant que je vois texte, lorsque nous prenons les textes, na kati na yango d'abord, et dans ces textes, on parle de Romains 8, ils en sont à Acte 8. On avait parlé de Romains 8, mais c'est plutôt Acte 8. Toujours le verset premier. Nous prenons le verset premier. Pour la persécution, il y a qui n'a l'air Étienne. Pour la persécution qui était survenue du temps de la mort d'Étienne. Le temps à la combona Jésus Christ. Nous lisons au nom de Jésus Christ. À partir du verset premier. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul a nimisaki liwa ya Étienne. Et ce jour-là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Notre souci, c'est d'abord les textes. Donc, persécution est au Kozala quelque part. La persécution peut être quelque part. Et Salemi, ça se passe. Vous êtes d'accord, Salemi, dans l'étia, moi, doute. Nous prenons par exemple quelque chose qui s'est passé au mois d'août. À toi, Banzani. Les gens se sont dispersés. D'autres peuvent retourner, mais d'autres peuvent se disperser pour ne plus revenir. Mais tout ça d'abord une écriture qui Banzanaki excepté les apôtres. Mais nous avons d'abord l'écriture qui s'était tous dispersés sauf les apôtres. Et l'obéli d'abord, pourquoi le lingewana? Et nous avions parlé pourquoi les choses. Le Seigneur a besoin d'accomplir promesse naé ya Actes chapitre 1er. Le Seigneur avait besoin d'accomplir sa promesse des Actes des Apôtres chapitre 1er. Na verset 8. Au verset 8. Na banina 4. Je lis le verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme il s'est trouvé avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Pourquoi va poser une question? Pourquoi il lui avait posé cette question? C'était pour montrer, bien aimé. Matthieu chapitre 12 et le Bible avant de continuer. Matthieu chapitre 12 dit ceci avant de continuer la lecture.
Matthieu 12. Verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Lokola Yesu ayebaki makanisi na bango, ayebisi bango. Tout royaume divisé contre lui-même, bokonzi nyonso oyo epanzana na yango moko, est dévasté. Yango ebebi. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Tope ngumba nyonso to penda ko nyonso oyo ekabwani na yango moko na kati ekuki kozalisa makanisi sute. Royaume ezaki royaume de David. Le royaume c'était celui de David. Etant moi nazu royaume Salomon. Mais lorsque Salomon a reçu le royaume, le Seigneur a lakaki ke ako longola royaume wana. Le Seigneur avait promis qu'il va arracher le royaume. Mais ako tikela David une lampe. Mais il laissera une lampe à David. Dans 1 roi 11. Dans 1 roi 11. Mais ayebisi Salomon. Mais il avait dit à Salomon que je n'accomplirai pas cette parole de ton vivant. Donc, j'arracherai le royaume de la main de ton fils après ta mort. Et lorsque Roboam, le fils de Salomon, est venu, le Seigneur a sala qui n'a le royaume est katana en deux. Le Seigneur avait fait que le royaume d'Israël puisse être divisé en deux. Bana David, le fils de David, batikalaki na deux tribus, donc Juda na Benjamin, était resté avec deux tribus, celle de Juda et de Benjamin. Et basusu ba komaki na deux tribus. Et d'autres avaient Jéroboam, dix tribus, Jéroboam, serviteur de Salomon. Donc le royaume est comment qui divisé. Donc le royaume d'Israël était divisé. Et comment qui divisé? Une maison divisée, mon contre Moussous. Donc une maison divisée l'une contre l'autre. Jésus avait fait cette réponse à lui que le royaume est existé sous terre. Jésus avait dit que ce royaume-là, un tel royaume divisé en lui-même ne peut subsister. Donc comment qui royaume de Juda. Donc c'était devenu le royaume de Juda. Royaume d'Israël. Et de l'autre côté, le royaume d'Israël. Maintenant, promesse Zalaki Kenzamba Kotombole la Bango sous David. Maintenant, la promesse était que le Seigneur élèvera parmi eux encore David. David Tamuya Koya. Lorsque David au royaume et vous allez restaurer. C'était la promesse qui était en Israël. C'était la promesse qui était faite. Même le prophète Jérémie en parlait de ça. Et aussi Ézéchiel. Même le prophète Jérémie et Ézéchiel en ont parlé. Ézéchiel 37 à l'Obéliango. Ézéchiel 37 en a parlé. Il y a la promesse. Isalina Elaka. Il y a David 37. Verset 24. Le verset 24. Mon serviteur David sera le roi. Mosalina Gaïda Widia Kozalaka Kumuna Bango. Le roi na David a koufa kala. En ce temps-là, David était déjà mort il y a bien longtemps. Maintenant, bazo presse bango promesse na future. Maintenant, on leur donne la promesse à l'avenir. Que David voya pour être roi. Donc David viendra pour être roi. Tant bango ni David voya pour être roi. Division wana pe kolongwa puizonga royaume moko. Donc quand David viendra pour être leur roi, cette division ce sera pour que le royaume soit uni. Il y a moment la prophétie à Ézéchiel 37. C'est pourquoi la prophétie d'Ézéchiel 37. On parle de deux bois. Moko ya Juda, mususu ya Joseph, bako sangisa ko pe koma bois moko. L'autre un bois de Juda et l'autre de Joseph qu'on va rassembler pour n'en faire qu'un seul bois. C'est ça, rétablir encore le royaume de David, Oyoyo et Panzanaki.
Et c'est ça rétablir le royaume de David qui était divisé du temps du roi. Ézéchiel a prophétisé encore que David y est mon d'Akoya. Ézéchiel avait prophétisé que c'est David lui-même qui viendra. Et au temps qu'il Ézéchiel 37 verset 24. Comme nous l'avions lu dans Ézéchiel 37 le verset 24. Et ça a osé à l'obéla encore na osé 3. Osé 3 aussi en a parlé. Et que Israël tant qu'Akozonga Akolukanzambe Akolukande David son roi. Et lorsque Israël retournera pour chercher l'Éternel, il cherchera aussi David leur roi. Et ça pour royaume Israël qui Ezonga ne veut pas bien rétablissement. C'est pour que le royaume là qui n'était qu'un seul royaume mais divisé puisse retourner encore un seul royaume. Israël n'a les canisinae attendait le roi David. Israël dans sa pensée attendait le roi David. Il faut qu'on t'a toujours dans Juda. Il fallait qu'il puisse naître dans Juda. C'est ça la promesse d'abord. Yangonde la kayanza. Mais la manière où Dieu a classé les choses. Mais la manière dont Dieu a classé les choses. Abongisi yango esalement après temps ya Armageddon. Il a préparé que cela puisse se faire après la bataille ou la guerre d'Armageddon. Parce que David a yagande kobunda pour na kokwesa munguna. Parce que David vient combattre pour renverser l'ennemi. Et pas pour comprendre que véritable David yewana ye. C'est alors qu'on comprendra que le véritable David est venu. Mais lorsque Jésus est venu, il a fini son travail. Asa les promesses ya Saint-Esprit. Il a fait la promesse du Saint-Esprit. Ba juif. Les donc, bah, disciples. Ses disciples. Bah, le ah, Nathan, le Saint-Esprit, nous avons rétabli encore le royaume. C'est en ce temps-là, quand tu vas envoyer le Saint-Esprit, que tu rétabliras le royaume d'Israël. Rétablissement du royaume d'Israël, c'est vrai. Le rétablissement du royaume d'Israël, c'est la vérité. Parce que Jésus a répondu. Parce que Jésus a répondu. Au verset 7, il y a acte 1. Au verset 7. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Et Zali n'a pas noté moi baba tango topé bangonga oyo tata atie na bokontinaye moko. Poison sa royaume. Pour rétablir le royaume d'Israël. Bozola na malamu. Vous suivez attentivement. Maintenant, royaume ango aussi. Maintenant aussi ce royaume Oezalaki comme Kibokondi Boya David qui était comme le royaume les royaumes physiques comme ça de David Bokondi wana komagine toute une personne Jésus-Christ. Et ce royaume là était devenu toute une personne qui est le Christ Jésus. Donc tant baboua qui Jésus lorsqu'ils ont régi le royaume Luc 17 Luc chapitre 17 à partir du verset 20 à partir du verset 20. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et on posait la question au futur. Quand viendrait le royaume de Dieu? Et Jésus leur a répondu. Ce royaume ne vient pas de manière à frapper les règles. On dira point il est ici. Bakolobakate azali awa. Où il est là? Ensemble, donc ils discutaient ensemble. Ami, car voici. Oui, t'étais là. Les royaumes étaient au milieu de vous. Donc ils discutaient ensemble. Les royaumes de Dieu. Les royaumes Bokonzanzambe. Donc c'était lui le royaume de Dieu parmi eux. C'était lui, Jésus. Donc, tant que ma boîte qui est, lorsqu'il en c'est que le royaume est pas d'abysse, parce que Jésus a mené pas d'abysse. C'est-à-dire, ce royaume-là est venu vers nous parce que Jésus est vers nous. Mais aux hommes qui la bangole, mais ce royaume leur sera retourné. Vous suivez attentivement. Ah. Parce que. Parce que, bien aimé. Moi si oyo bazalaki kolinga te na libala la femme qu'on n'aimait pas dans le mariage ce qui moi na abotami ya yambo na kata libala wana ya basi mibale si le premier né est issu de la femme qu'on n'aimait pas dans le mariage moi si
mwana ya mwasi wana portion double. Dans le partage du bien du père, c'est au premier-né de la femme qu'on n'aime pas qu'on va donner la double portion. Deutéronome 21. Ba loi oyo Nzambe apesaki Israël. Les lois que le Seigneur avait données. Sans comprendre, avant comprendre le calendrier prophétique. Si tu le prends. Mon corps approuve si deuxième mois, si troisième mois. Cela ne veut pas dire que toi, un frère, aujourd'hui, tu es dans. Oui, que ça vous malade, on a vu ça par rapport à Ebandela. Et Jésus le dit dans Matthieu 19. Comme Jésus le dit dans Matthieu 19. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Mais le col en Zamba, ça a besoin d'expliquer le lingue à Kotambolana, moi si mon quoi appelé Israël. Mais comme le Seigneur avait besoin d'expliquer comment il va marcher avec une femme appelée Israël. Et après, on a quoi moi si mon sous appelé l'église. Et après, là, il viendra prendre une autre femme qui est l'église. Dans son attribution de l'agneau, moi n'en pâte mon sikoli. Le lengepe a saleli boyokani ya se na boyokani likolo biloko mi balé. Et comment est-ce qu'il a utilisé l'alliance céleste et celle terrestre deux choses? A salisi boyokani wana lokola basi. Et il a manifesté ces deux alliances comme deux femmes. Des homonies, Abraham avait des femmes. C'est pourquoi tu vas voir Abraham avec deux Jacob, femmes. Jacob, Bakonios. Et Zalaki, un mystère par rapport à Christ. Et Zalaki, il bomba mi au côté à mon caca et pas Christ. Vous remarquez que tant que Joseph a soit candoto. Vous allez remarquer que lorsque Joseph avait reçu le soleil, à mon acquis soleil, il avait vu le soleil, la lune, na 11 étoiles, et il s'est prosterné devant lui, Joseph. Lorsque Joseph avait reçu le soleil, dans Genèse 37, maman naïe Rachel a koufa déjà. Sa mère Rachel était déjà morte. Mais l'interprétation est le Bible. Maintenant, dans l'interprétation, on dit ceci. Jacob a le biolingo loba. Tu veux moi, dire, ton père. Ngai tata na yo. Et ta mère, Joseph. Pe, maman na yo, Joseph. Naba frère na yo. Et tes frères. Tokoya mufu kamera. Nous viendrons nous prosterner devant toi. Erwana en ces temps-là, Rachel était déjà morte. Mais prophétie. Mais la prophétie. Et Zomona. Basignonso batikalineti ta mère Joseph. Vois toutes les restes de femmes, tous les restes de femmes comme la mère de Joseph, une seule. Faut comprendre comment Dieu a classé les mystères de sa parole. Et Seigneur lui a dit Nzamba tia mabomba mia ni lobana ye. Et alors ici un homme qui a deux femmes, ça fait 15. Qui mobali monko asalina basignon. Il y a 31. L'île aime l'une, allégue mon corps et n'aime pas l'autre. Allégue moi si vous soutenez. Et s'il en a des fils, car si ceux qui assalient penaba na kouta, dont le premier né soit de la femme qu'il n'aime pas. Oh et tes salamiens tes moi na yamwa outinde na moi si yo yalinga kate. Oh les gens en bête dans le pays sont bégos. C'est Dieu lui-même qui donne cette loi. Les Cambodgiens c'est les mecs qui n'andabo ya là-bas. Ceci s'était passé dans la maison de Laban. Dans la vie à Joseph. Dans la vie de Jacob. Il y a Jacob. Alinga Kilea. Jacob aimait Rachel. Rachel. Mais ma bessie n'a nous Léa. Mais on lui a donné premièrement Léa. Zamba Zuyangwa tient comme une loi. Le Seigneur a pris cela et l'a érigé en loi. Parce qu'il est législateur. Oui, t'as dit Moussa Limibeko. Alobi. Et s'il en a des fils dont les premiers nés soit de la femme qu'il n'aime pas. Car si son qui m'obali wana azuba na na basi wana mi balé, car si salami est témoin na yamwa m'obali azomi na mwasi wani ngakate. Et ça ne m'a qui pende wana na Jacob. Et cela s'était passé aussi comme ça avec Jacob. Alinga kaleate. Il n'aimait pas Léa. Menzamba kangina na kobota ya Rachel. Mais le Seigneur a rendu d'abord Rachel stérile. A fongulia na kobota ya mwasi wani alinga kate. Il a rendu fertile la femme qu'elle n'aimait pas. A botina le Ruben. Pour donner naissance à Ruben. Après, continue encore na babana avant que Rachel abota. Après, il a continué avec d'autres fils avant que Rachel ne conçoive. Donc, effectivement. Effectivement, bien aimé. Mwana oya yamboya yaki ya Jacob abimaki na mwasi yo Jacob atako lingate.
Le premier-né de Jacob était sorti de la femme que le père n'aimait pas. Maintenant, verset 16. Il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qui l'aime. À la place du fils de celle qui n'aime pas. Et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qui n'aime pas. Et lui donnera si son bien. Une portion double. Et mi balé à Bosunaye. Car ses fils est le prémices de sa vigueur. Le droit de naissance lui appartient. C'est pourquoi tu vas remarquer. Mwana oyoyo. Léa Botaki, le fils que Léa avait Ruben, enfanté, Ruben, avant de traverser Jourdain. Il avait reçu la terre avant la traversée du Jourdain. D'autres aussi avaient reçu la terre du côté du soleil levant. Voilà ce que dit Josué 13, verset 8. Là, en prenant Josué 13, le verset 8. Donc, Gad, demi-tribu de Manassé, n'a Ruben. Il y avait Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé. Bazoua Mabele, Moïse l'a fait ça avant Mabele, avant Okadza, fleuve Jourdain. Ils avaient reçu la terre avant la traversée du Jourdain et c'est Moïse qui la leur avait donnée. Nangamboyo, Yakota soleil couchant. Et du côté du soleil couchant, Ezaki Naba. Tribu Oyezouaki Mabele. Il y avait des tribus qui avaient reçu la terre. Nangambo yakota soleil couchant. Du côté du soleil couchant. Bethel et Zarakiwan. Il y avait Bethel. Jéricho et Zarakiwan. Il y avait Jéricho. Vous avez un malin. Amen. Kirgal et Zagipe Gotoy. Il y avait aussi Kirgal de ses côtés. Elina Élisée. Élie avec Élisée. Élie a lobi. Élie avait dit. Dieu m'envoie à Jéricho. À Jéricho. À Bethel. À Bethel. Élisée a dit non, non. Élisée dit non. Ton âme est vivant. On les manus à tenir à le bibatam. Il a tenu. Donc, il provenait de Gilgal. Bethel. Ils se sont rendus à Bethel. Après, et après là. Bakéi Jéricho. Se sont rendus à Jéricho. Après Jéricho. Après Jéricho. Bakéi na Maya Jourdain, na bord à Maya Jourdain. Se sont rendus au bord du fleuve Jourdain. Bakouti 50 fils de prophètes. Ils ont trouvé 50 fils de prophètes. Et Teresa Kamacho a tamboli za 49. Cela représente que tout le parcours là c'est 49. Maintenant c'est quoi Bakoumi na 50e. Maintenant ils sont arrivés à la 50e ou 50e. Élie a fondé les mailles. Lorsque Élie a ouvert les eaux du Jourdain, Bazongi côté à Galade. Ils sont retournés du côté de Galade, du côté du soleil levant. Et Mabele côté Mabele on est Ruben à son Mabele. Ils sont retournés du côté où Ruben avait reçu le territoire. Côté on est loi et le bagui double portion et ça la daya côté. C'est ce côté là que la loi avait prévu, avait ordonné la double portion. Mais Élisée, Élie question yako. C'est pourquoi la question de demander à Élisée qu'est-ce qu'il veut, Élie ne l'avait pas posé de ses mots. Côté le fils premier à Bouta qui n'a femme qu'on n'aime pas. Mais lorsqu'il est retourné du côté où le fils premier né provenait de la femme qu'on n'aimait pas dans le mariage, côté y a Galade, du côté de Galade, alors il va interroger à son serviteur Élisée. Élisée, demande tout ce qu'il c'est gagnant son ligne. Élisée a signé selon l'écriture de Deutéronome 21. Élisée a demandé selon l'écriture de Deutéronome 21. Double portion. Il tenait mi-balé. Oui, côté un fils qu'on n'aime pas, il ne faut pas payer cette double portion. Du côté
du côté du fils de la femme qu'on n'aime pas, on doit donner la double portion. Cela veut dire rapport entre Élisée na Élie. Les rapports entre Élisée et Élie. Et ça rapport entre père et fils. C'est les rapports entre le père et le fils. Oui, parce que tant qu'azona et toi, ma. Parce que Élie en étant. Élisa Zoloba, mon père. Tata Nandaï. Mon père. Tata Nandaï. Ah, cela veut dire. Cela veut dire bien. Oya Kosoawana. Donc, ce que Élisée recevra. C'est un héritage. Et Saline Liboula Moubimba. Parce que c'est le père qui parle. Oui, tes amis, Tata Nandaï. Pour dire que le fils héritage. Pour laisser ou léguer l'héritage au fils. Donc, Élie Koloba qui est côté à soleil élevant. Cela veut dire que du côté du soleil élevant. Double portion est à l'Isaka. La même chose, mais deux fois. La double portion représente et l'autre manque au kasi mbalami balé. Donc, et pesameli balani bosso a été donné pour la première fois. Après, pesamela les sous. Après, a été donné encore pour la deuxième fois. Dambo et l'Isaka Israël. Dambo et le soleil élevant. Du côté du soleil élevant représente Israël. Avant de traverser Jordan. Yamokoka tisa maire. Ezalaki elembo. C'était le signe que Israël va vous présenter royaume deux fois. Qui en présentera deux fois le royaume à Israël. Donc, première fois, ça, Jésus en allait à c'est lui le royaume. Donc, la première fois, c'est Jésus qui vient dans la chair, lui comme le royaume de Dieu. Israël a rejeté les royaumes. Et Israël a rejeté le royaume. Et ce qu'il y a dans la terre. Ça ne s'arrête pas là seulement. Moi, na oya zali na côté du soleil élevant. Le fils qui est du côté du soleil. Bah, on y a encore qu'on présenter le royaume deuxième fois. On viendra encore lui présenter le royaume pour la deuxième fois. Il y a même na Romains 11. C'est pourquoi même dans Romains 11. Bazala qui en rétranché. Donc, ma katakaba. Mais ma kozala hanté de nouveau. Ma kozongi sakabango li sous na nzete na bango. Na même promesse. Na elaka na bango. Donc, ma go présenter bango héritage deux fois. On va leur présenter l'héritage deux fois. Bonsoir, Namala. Vous suivez attentivement. Mais pour la bise de ma nation, c'est une seule fois. Mais pour nous, les nations, katakaba la mankoyo. Nous faisons bien comprendre. Garder parole. Que tu puisses garder la parole. Israël. Israël. Royaume royal Jésus. Le royaume reviendra encore. Et ce royaume-là d'abord, c'est l'enseignement. Et pour continuer à méditer, à l'enseignement à Christ. Il a qui c'est à Christ. Oh, les désoins ma côté à ma mort. Que les désoins vont le prêcher. Et Yemoko, le royaume là, a Oya aussi qu'on visite ma mort après combat d'Armageddon. Et lui-même, ce royaume viendra en personne le visiter après le combat d'Armageddon. C'est ça? Deux fois la même chose. Yangonde et Mbalami Balé et Lokomoko. Maintenant, nous toujours placés, écriture Rwana. Mais lorsque nous plaçons cette écriture dans acte 1, dans acte 1, Natamboli wana tout simplement pour parler du royaume. J'ai marché là simplement pour montrer le royaume. Israël a rejeté le royaume. Isali la boaka ki bokonzi ensemble. Qui est Christ. Oui, Isali Christ. Et le lingue aussi, le Seigneur lui a pour rétablir Bango. La manière dont le Seigneur aussi promet de le rétablir. Et ça n'a jamais pour sous-souter Bango croire en Christ. Il n'y a pas un autre chemin, ils croiront au Christ Jésus. Mais le Seigneur a continué à s'adresser à l'église. Le Seigneur continue en s'adressant verset maintenant à l'église. Il y a acte 1. D'acte, des actes 1. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a un total qui est la continuité de l'église à Jérusalem. C'est pourquoi nous montrons que nous sommes la continuité de l'église de Jérusalem. Parce que nous sommes jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes comptés dans les extrémités de la terre, là de la fin.
Mais comment est-ce que la dispersion a été faite? Nzamba créa persécution. Le Seigneur avait créé la persécution. Dans Acte 7. Dans Acte chapitre 7. Babomi Étienne. On a tué le frère Étienne. Et après on en Acte 8. Et après cela dans Acte 8. Basali déclaration que Babanzana qui. Ils ont fait la déclaration que les disciples s'étaient dispersé. Sauf les apôtres Batikalaki à Jérusalem. Lors de la dispersion. Du temps de la dispersion. Mais si on continue, mais en continuant la dispersion. Comment est-ce qu'ils s'étaient dispersés pour aller prêcher la parole ou l'évangile de Dieu? Mais si on continue, comment est-ce qu'ils vont continuer pour se réunir? On a trouvé un côté parce que l'écriture est dans Acte 15. En continuant, vous allez voir qu'ils se réunissaient comme l'écriture nous le dit dans Acte 15. C'est ce que j'ai dit. À un certain moment. C'est ce que j'ai dit. Un événement peut se passer à un certain moment. Mais après, on a. Après Wana, ils ont aussi dans le langage que tu vas trouver les témoins Kimia. Il y a la manière dont les gens peuvent retrouver une petite paix. Et bah, se réunir encore. Et ils se réunissent à nouveau. Oh, et ça, c'est la parole du Seigneur au et ça, c'est la parole du Seigneur, tu ne peux pas la refuser. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon attente, vous complétez Wana Moussousso, lobby par la grâce de Dieu. À cause du temps, nous allons compléter la réponse demain par la grâce du Seigneur. Oui, sur la deuxième question, le Ligue Zambago Soubabiso, lobby. Sur la deuxième question. Mais c'est tout temps toujours le vela awa wana ni kambo ya quatrième saut. Surtout lorsque nous parlons ici concernant le quatrième saut, il faut oyebaboué. Tu dois savoir ceci. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Na Luc chapitre 21. Dans Luc chapitre 21. Na verset 24. Au verset 24. Azoro baboué. Il dit ceci. Nous lisons nom de Jésus-Christ. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Qui n'ont été battants ya bikolo et kokanamabele. Moutalobé la langage à tant de nations à Jésus-Christ yemoko. Celui qui a employé ou mentionné les temps des nations, c'est Jésus-Christ lui-même. Tant des nations. Tango ya bikolo. Et ça, c'est le temps où tu vois la manifestation des sept têtes de la bête. Égypte. L'Égypte. Assyrie. La Syrie. Babylone, Babylone, Médo-Perse, Médo-Perse, Grèce, Grèce, Rome, Rome, et comme maintenant Rome papale, la prostituée, Rome religieuse, comme la femme prostituée, et c'est ça, les sept têtes. Il y a mon ami tout ça. Dans la prostituée, il y a la domination aussi des États-Unis. Et dans la prostituée, il y a aussi la domination des États-Unis. Donc, on est dans le même service. Donc, et tous là sont dans le même service. Mais septième oyo. Oya Sambo. Oya remplacé sur les eaux. Donc, qui a remplacé sur les eaux? À cause de la brûlée, peut dépouillé par Oya Zaki sixième, Rome païenne. Donc, sera brûlé et dépouillé par celui qui sera sixième et qui réapparaîtra comme Rome politique païenne. Donc, à pour réapparaître. Donc, elle réapparaîtra. Totali Sakiyo. On t'avait montré. Soki, une puissance des alliés. Élevé au-dessus de la nation. Si une puissance s'élève au-dessus des autres nations, la Bible la considère comme serpent. La Bible considère cette puissante nation comme le serpent. Tant qu'on a saisi son pouvoir, lorsque son pouvoir arrive à son terme, et que le Seigneur le juge pour la faire tomber, la nation va la remplacer. La nation qui viendra la remplacer, à vous dépouiller. Va la dépouiller. Brûler, va la brûler. Pour montrer sa colère. Pour montrer
la colère. Cela veut dire que le Seigneur a fait tomber la nation qui était avant. A tomboli menamusu. Pour élever une autre. Lolenge a Syrie a salaki Égypte. La manière dont la Syrie avait fait l'Égypte. A Syrie tangazui autorité naie. Lorsque la Syrie a reçu sa domination. Ézéchiel 31. Ézéchiel 31. Otangia pati a verset 16. À partir du verset 16, même à partir du verset 10, on parle de la chute de la Syrie. Même les Haïtis, on en parle. La chute de la Syrie. M'a présenté à Syrie comme Azalaki. Na forêt na ye. On présente la Syrie dans sa forêt. Na forêt na ye. Qui régnait dans sa forêt. Mais Zamba permettre qu'elle brûle. Mais le Seigneur permet qu'il soit brûlé. Au brûlant était sa la colère de Dieu. Et le feu là c'est la colère de Dieu. Aza humilié. Donc il a quitté sa vie. Pour nation se tombe. Pour qu'une autre nation s'élève à sa place. Nous faisons bien comprendre. Je prends tous ces langages là pour te montrer. Pourquoi verset 16 d'Apocalypse 17? Pourquoi le verset 16 d'Apocalypse 17? La bête et les 10 rois haïr la femme. Haïront la femme prostituée. Royauté où il y a qu'à remplacer royauté Zalaki avant et il n'a qu'à royauté Zalaki avant. La royauté qui vient remplacer celle qui la précède haït toujours celle qui la précède. Et depuis à Kabilamba naie. Depuis la dépouille de ses vêtements. Et la brûle. Yangonde to pese kio témoignage oyoyo. C'est pourquoi nous t'avions donné ce témoignage. Apocalypse 17 verset 16. Apocalypse 17, le verset 16. Elobi, Boye, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Les 10 cornes que tu as vues. Et la bête haïront la prostituée. La dépouilleront. Et la mettront à nu. Mangeront ses chairs. Et la consumeront par le feu. Mouvement oyo, la bête a reçu la 10 cornes. Ces mouvements que la bête effectue avec les 10 cornes. Assyrie a salaki yango devant l'Égypte. La Syrie l'avait fait sur l'Égypte. Babylone a salaki yango devant Assyrie. Babylone l'avait fait aussi sur la Syrie. Donc royauté oyo s'élevera et remplacera royauté zaki avant et dépouille akawana zaki avant. La royauté qui s'élève pour et ils ont tombé à ma poésie supériorité dans la nation sur la terre. La royauté qui s'élève pour recevoir la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et humilia ka oyo d'abord azali na supériorité. Humilie toujours la nation qui avait la supériorité avant elle. De la même manière avec nos pays. Surtout les pays où il y a des dictateurs. Celui qui était. Et l'autre qui viendra. Il va venir, il humilie. Il reçoit la domination. C'est ça. Maintenant, ici, on le montre par rapport au monde entier. Donc, tant que la bête a zali ko humilier la prostituée, lorsque la bête humilie la femme prostituée, la bête qui n'était plus réapparaît. Cela veut dire que nyama yaouli azala kali susuke abimi. A zongi lisusu sur les eaux. Donc la bête a réapparu sur le zoo. Tant qu'a zongi wana. Lorsqu'elle réapparaît. C'est pour que ma adorée terre entière. C'est pour que toute la terre l'adore comme un dieu. C'est ça l'ikamouya. Ako zalana pouvoir. N'ya car de la terre. C'est ça ce qu'on nous dit au quatrième saut qu'à cause de ma coquille qu'on était ni moko yamine yamabine. Néna ça vous expliqué au quart de la terre. Donc je t'ai expliqué ce quart de la terre. Et ça pour à nyoko la quart de la terre ouana la famine. Donc c'est pour faire persécuter ce quart de la terre par la famine. As à nyoko la quart de la terre ouana na mortalité. Na coup
kufa, kubuma. Et la peste aussi, zaka mortalité. Maladie à peste. Maintenant la bête a konyoko la batu na banzala na lolenge nini. Maintenant comment est-ce que la bête va persécuter les gens par la famine? Bible lobby. La Bible dit na Apocalypse 13. Apocalypse 13. Otangi yango d'abord. Verset 8. Le verset et 8. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc si tu étais préparé à être perdu, tu ne seras pas non plus sauvé. Un prédicateur m'a dit, on ne lit pas cette écriture dans l'ensemble. Un prédicateur des églises de sommeil. Non, si tu sais cette écriture, on va refuser de prier. Et tiens, mais la Bible le dit qu'elle ne scène pas ce qu'on dit. Donc, il faut le bas. Donc on dit déjà d'apocalypse qu'on candate. Parce que ça fait beaucoup oyo. Apocalypse 22, verset 10. Dans Apocalypse 22. Nathalie s'est fait écriture. Je lui ai montré cette écriture. Yo, maintenant, les gars, t'es scellé. Maintenant, toi, tu veux qu'on puisse sceller. Pour nous avoir une émission, moi, la télévision. Parce qu'on est ensemble dans une émission à Kinshasa. C'est un verset. Et ça, il commis. Il faut moutailler bagué. Quelqu'un. Sauf quand on sera sauvé. Si il sera sauvé. Et ça, ma casse, il n'a rien d'abord. Ce n'est pas par son effort d'abord. Et ça, pour nous en bas, tant qu'à sera sauvé. C'est parce que le Seigneur l'avait déjà cité dans le livre de vie qui sera sauvé. J'avais suivi un prédicateur dans une église où on m'avait invité en conférence. Bon, Zala qui docteur selon la théologie. Zala qui moula qui s'y coula, ni c'était li à bateau. Première fois, na mona qui moté à l'olingue en azoro ma gamboana. La première fois où j'avais vu un prédicateur dire ces choses. Alors, mi moti, quand on a qu'on l'a dit, on s'en a sauvé. Ne dis jamais que tu seras sauvé. Et ça, on s'en a l'orgueillé. C'est ça, on s'en a l'olingue. Et toi tu seras sauvé pour voir le Seigneur. Même Dieu ne connaît pas le nombre de ceux qui seront sauvés. Non, c'est pas par les efforts des gens que le nombre est en train d'augmenter. Là où j'étais, j'ai regardé les prédicateurs. J'ai demandé la parole. Première fois la la première fois de voir un tel prédicateur. Peuple assurance, non découragement. Le même ministre prêche l'assurance au peuple et non le découragement. Dieu a défini sa ministère. Le Seigneur a donné la définition du ministère. Dans sa parabole, il y a battu au Benami na Elulu. Comme ceux qui étaient invités à la fête avaient refusé de venir, le roi dans la fête s'était dit, alors il faut que brûler la ville. Il a dit allez brûler la ville. Mais allez inviter tous ceux qui n'étaient pas invités de venir dans la fête. Lorsqu'on a pris ces gens-là pour venir entrer dans la fête, ces gens-là, qu'on avait amené au premier tour, c'était comme les juifs là, tous ces juifs là, les apôtres là. Maintenant, quand on a donné les rapports dans la parole, le maître, ma place est en train de il y a encore des places à occuper. Voilà ce qui m'a dit Bautica, Jérusalem. C'est là venu chuter. On vient à Bani pour que nous extrémités de la terre. Pour aller maintenant chez les nations de la terre. C'est ça, ça par rapport à il y a Kondé. Ma place est en train de il y avait d'abord des places à occuper. De alors, il a renvoyé encore les servants. Maintenant, vous avez beaucoup de talent dans le monde, salité, rencontrer juste méchant et tout celui que vous allez rencontrer. Écoute comment est-ce que le Seigneur avait expliqué cette mission. Contrer les d'entrée. Salamakasignon.
C'est comme toi, tu diras par exemple à Aru. Programme Zali, Tourba, Mokonzaza a fait quoi à Tourba? Le programme est à Tourba par exemple. On dévie votre bus, on dit on va à Tourba. Avec donc c'est le roi qui vous appelle là-bas. C'est ça le ministère. Il y a un bon de l'autorité. Contrainte d'entrer. De Bako tapena dans ma case. Ton ministère est en rôle. Hein? Le ministère a pour rôle. Il y a qu'on décourage. N'est pas décourager le peuple. Ou dans un espoir. Qui manquait mais selon le ministère de la parole, écoute le ministère par espoir renaître. L'espoir est né dans son cœur. C'est ça, contraindre. Il y a mon écoute, ça n'a pas qu'à s'y faire. Attends, oui. Même Dieu ne connaît pas les nombres de sauvés. Ah, d'abord, je ne pouvais pas m'aider. Donnez-moi la parole. Donc ces choses appartiennent à notre Père. Il faut que nous parlions. Ne prends pas Dieu comme nous, des mortels. Donc, comment est-ce qu'Adam est tombé Dieu? Moi aussi, je suis surpris de cet enfant. Il est tombé. Donc, moi, j'ai tout créé. Mais je suis surpris. Adam, oui. Adam a déçu. Non, pas un tel Dieu. Non. Le Seigneur savait qu'Adam allait tomber. Bon année. Pourquoi? Azara qui n'a besoin de manifester ma tribunaïe. Si tu dis Adam comme ça, avant sa chute. Seigneur, je t'adore, les créateurs. Les créateurs, c'est là. Il ne savait que là. Les créateurs. Et les seigneurs font en lui aussi qu'il est sauveur. Mais comment il doit me glorifier comme sauveur? Il doit tomber. Lorsque la chute est venue, après, lorsqu'il est venu nous sauver par l'œuvre de la croix, notre sauveur. Donc, il est sauveur. Notre libérateur. Beaucoup d'attributs qui se manifestent. Le Seigneur est sauvé. Il ne faut pas avoir les dieux des témoins de dessein. Dieu ne connaissait pas qu'Adam allait tomber. Il était surpris aussi. Moi, je ne peux pas prier votre Dieu qui ne connaissait pas qu'Adam allait tomber. Parce que nous sommes pareils. Je ne connais pas la vie. Et lui aussi est surpris de la vie. Mais où est la différence entre votre Dieu et moi? Regarde de la sorte. Donc Dieu ne connaît pas le nombre de sauvés. Frère. Dieu connaît tout. Zamba est immense. Maintenant, de l'autre côté, je suis convaincu que je suis sauvé lorsque j'obéis à la parole de Dieu. Lorsque je me soumets à la parole, c'est comme ça que je ressens. Vous suivez attentivement. Et c'est ça, le Seigneur a fait ça. Et ça. Tiens, connaissait que Bakubako adorait un homme, la bête. Que les habitants de la terre adoreront un homme, la bête. C'est dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de l'agneau. Dès la fondation du monde. Et on montre encore. La bête, Azaraki, dans verset 15. La bête était au verset 15. Dans 16.
Et elle fit que tous. 16-17, il y a Apocalypse 13. Petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, récisent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Calculer le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme. Et son nombre c'est 666. La chose d'abord à faire sortir awa. La chose que je vais d'abord ressortir ici. Ezali que oya konsa la marque de la bête n'achètera pas à vendre pété. Que celui qui va manquer la marque de la bête n'achètera pas ni ne vendra. Cela veut dire. Eli koloba. Mutuana kokufa pe akofanda nzala. Donc cette personne ou ces gens-là resteront dans la famille. Nazoli n'a d'abord à faire sortir ma gambegosa de ma dernière portion et à quatrième saut. J'aimerais d'abord faire ressortir les événements de la dernière portion du quatrième saut. Et ça n'attend pas la bête qui était n'est plus à réapparaître. Il y a le temps où la bête qui n'était plus réapparaît. Tant à réapparaître, alors à cognon qu'on a les saints. Lorsqu'elle réapparaîtra, elle va persécuter le saint. Nathanie encore dans Daniel chapitre 12. Je lis encore Daniel chapitre 12. C'est ce qu'on appelle grande tribulation. Kunyon kwama yamakasi koleka. Dans le verset 7. Je prends le verset 7. Je crois que le Seigneur a voyé Bakoyedebiso petit à petit au saisir. Je crois que le Seigneur va nous aider petit à petit pour saisir ça. La marque de la bête 666 est à l'hôtel. La marque de la bête 666 n'est pas aujourd'hui. Et ça, les manatango déjà, l'inétoisé, ça les maquis. Cela s'accomplit après l'enlèvement de l'église. Et ça, les manaportions, verset 8. Cela s'est fait aux portions du verset 8. N'attend à qu'on persécute car de la terre. Moment où la bête va persécuter les quarts de la terre. Donc éteni a miné. Donc éteni na katia biteni miné. Que Dieu bénisse. Amen. Et à mon tour, verset 7, d'abord, il y a Daniel 12. Amen. Et j'entendis l'homme vêtu de lin. Benayoka qui montait à la tête qui qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il gira par celui qui vit éternellement. Donc, Oyazali, l'homme vêtu de fin qui jure ici, c'est seulement lui-même là qui vit au siècle des siècles. Donc c'est lui-même là qui vit éternellement. Et le Seigneur est comme ça, il avait dit à Moïse, sois là et moi-même je proclamerai Moïse dans le rocher. Il met Moïse dans le rocher et il le couvre de la main et il passe. Et le Seigneur en train de prier. Abandi, éternel, éternel. Yahweh, Yahweh. Riche en bonté, pleine en bienveillance. Nzambe, azo sambela nzambe. Donc Dieu qui prie ou qui proclame le nom de Dieu. Moïse, et Moïse voit tout cela. Jésus prie qui nzamba sambela kate. Bible le dit. La Bible dit. Il était descendu sur la montagne. Akita ki likolo ngomba. Ça c'est Néhémie 9 verset 13. Néhémie 9 le verset 13. Mais il parlait du haut des cieux. Donc azana se mais mon bon besoin d'aller. Il est sur la terre mais la voix provenait du ciel. C'est ça le linga zaki na Jordan. C'est la même manière il était dans le Jordan. Mon bon besoin d'aller. Mais la voix provenait du ciel.
Et cette fois-là, ce n'était pas tout le monde qui l'écoutait. Comme on nous montre dans le film de Jésus, tout le monde regarde là-bas au ciel. La voix venue. Mais ils allaient croire directement. Seulement Jean-Baptiste qui avait entendu cette voix. Parce que le prophète voit ce que les gens ne voient ailleurs. Alors, il dit, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps. Et à la paquinda, il n'a qu'on voit au Yazali n'a copi qu'à ce qu'on a ce qu'on était causé n'a tant au manque. Nazan à Daniel 12, verset 7. Des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Tango makasi ya libote sente ko sala pente ko si la peta na mobimba nango. Peuple saint ko nyoko ma vraiment makasi na un temps de temps et la moitié d'un temps. Donc le peuple saint souffrira vraiment dans un temps de temps et la moitié d'un temps. Yango pe balbaki na Daniel 7. Et c'est ce qu'on avait aussi dit dans Daniel 6. Matanga qui a déjà lobby par la grâce de Dieu. Je l'avais déjà lu hier. Dans verset 25. Au verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Donc la bête. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains. Pendant un temps, de temps et la moitié d'un temps. Donc ces choses s'accomplissent avant la guerre d'Armageddon. Donc trois ans et demi. À partir de la mort de deux ans. De reine ya bête na dicorne bandi vraiment ma case. Alors commencera la bête, le règne. Pouvoir na bango. Le règne de la bête et de dicorne. Pour na konyoko la basante. Pour persécuter les saints du Très-Haut. Donc, Esa d'abord na 3 ans et demi au désoin par côté à Israël. Donc, il y a d'abord 3 ans et demi pendant lesquels le désoin vont prêcher Israël. Natanwana. En ces temps-là, bien aimé. Les serpents aboient qui fleuve naïe. Même si les serpents lancent le fleuve. La bouche Esa derrière la femme et colonga fleuve. La bouche qui est derrière la femme va vaincre ce fleuve. Donc la femme sera sécurisée. Donc la femme sera en sécurité. Mais tu penses que verset 10e d'Apocalypse 11. Mais on avait donné le verset 10 d'Apocalypse 11. Que tant que les désirs passent misala na bango. Que lorsque les désirs finiront leur travail. La bête qui monte de la Bible. Niama yaoulo azali ko uta na misanda. Ce qui va le dire bête qui monte de la Bible. Quand on parle de la bête qui monte de la Bible. Et les montants c'est la bête qui était. N'est plus mais réapparaîtra. Et l'ingi réapparaître. Niama yaouli boya salakate a yeko bimalisus. Tarazo réapparaître, il faut humilier la femme boya remplaçant qui est Nicolas Maï. Donc en réapparaissant, la bête doit humilier la femme qui avait pris sa place au-dessus de lui. Boaza n'a besoin de la proclamer comme Dieu. Parce que cette bête a besoin d'être proclamée Dieu de tout. Adoré. Qu'on puisse l'adorer. Mais tout à l'heure, dans le stress, mais on a vu que ceux qui l'adoreraient, ce sont ceux-là dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Dès la fondation du monde. Outa et Bandela Mokili. Tous ceux qu'on a malam n'a qu'à tirer le bien. Amen. Et la bête a pour ça la guerre à combattre par la famille. Et la bête fera qu'il puisse combattre par la mortalité. Nabanzala Kobuma. Donc ceux qui n'étaient pas tous cités. Donc s'ils n'obéissent pas à vous utiliser ma bête sauvage de la terre qui sont toujours des rois de la terre. Il va utiliser les bêtes sauvages Banyama Kanto et Zalika Kabakunza Mabele. Les puissantes nations toujours. Nicolanguya. On a pu écraser Bato Bakou garder position parole. Pour écraser ceux-là qui garderont la position de la parole.
Que Dieu bénisse. Amen. Donc, et qu'on sera pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Trois ans et demi. Dans un autre langage, 3 ans et demi. Mais na suka 3 ans et demi tant force à peuple saint kosila. Mais à la fin de 3 ans et demi, lorsque la force du peuple saint sera entièrement brisée, l'Éternel yemuka ko apparaître pour combattre ma nation. L'Éternel lui-même paraîtra pour combattre les nations. À combattre la bête et les 10 corps. Pour humilier la nation. Pour humilier les nations. Yangonde pour Israël, vous allez le libérateur viendra de Sion. Et pour Israël, ce sera l'accomplissement de la prophétie du libérateur qui viendra de Sion. Et ça, dans verset 26, il y a Romains 11. Et cela se retrouve au verset 26 de Romains 11. Et l'homme aussi, mes amis. La chose que tu dois... Quelle est la chose promesse que tu dois... La promesse de Dieu ne ment jamais. La même... Tous les événements classés par Dieu doivent s'accomplir tels que les événements. Pleinement, ces événements doivent s'accomplir. C'est pourquoi, de la même manière, nous avions montré la mort qui est la bête. Et les séjours de mort, les 10 rois. Donc, les pays qui seront élevés en ces temps-là, de la même manière aussi maintenant, il y a la mort qui est comme la prostituée, les séjours des morts, où ils ont suivi, qui l'accompagne, les autres fausses églises. Et ça dit l'église a mis sous sur ma béwana. Ma doctrine nion sur ma bé. Ma théa nion sur ma lame. Bas a lié avec la mort, la femme prostituée Babylone à gaz. Sont liés à la mort qui est la femme prostituée Babylone. Donc, bas a nan l'olenge monko bas a liko simité. Ils ont la même manière de simité. Donc ils ont aussi des vêtements des sacerdotes comme c'était dans l'ancienne alliance. Vous allez le voir avec une longue robe pour signifier qu'il est évêque ou qui que ce soit. La vie c'est la dignité et la main ça, la sagesse de Dieu, la force de l'esprit. Aujourd'hui, Dieu n'est plus resté avec le vêtement physique. Le sacerdoce de Dieu. C'est d'abord ma foute à Nzambe, ça la namoté. C'est d'abord l'huile de Dieu sur le ministre. La fidélité à la parole. L'enseignement est là annoncé dès que Yango est allé écrit. Que l'enseignement soit annoncé tel qu'il est écrit. Un vrai ministre ne s'opposera ni aux apôtres ni aux prophètes. À cause de la il peut avoir une doctrine qu'il élève. Mais les apôtres sont en train de jeter des pierres contre son enseignement. Non, tu ne seras pas à l'aise. Il faut que la doctrine où les apôtres basent à clamer doctrine à moi. Il faut que tu aies une doctrine que les apôtres acclament. Même l'Église toujours ça mais là. Même dans l'Église où nous prions. Toujours il y a pour l'enseignement des apôtres à respecter. Nous venons parce que l'enseignement des apôtres est respecté. C'est rien que ça. Et ça kawana. Toujours bato avant-garde. Nous ne sommes pas les gens des hangars. Mais toujours bato à parole. Mais nous sommes les gens qui sont de la parole. Mais parce que les bossards et ma paix, tout va te souhaiter à côté de Panzani. Parce que nous ne les souhaitons pas, ils peuvent y avoir la guerre ici. Mais tous ensemble. Mais nous sommes ensemble. La foi. Dans la foi. Et donc, comme nous nous avons un enseignement. La plus grande chose, c'est l'enseignement. Et Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Pour la gloire de Jésus-Christ. Seigneur de grâce, merci Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Christ. C'est ta grâce qui nous a conduits dans ce service. Tala motema ya ndeko. Regarde les cœurs de mon frère. Ndeko moi si mobali aussi. Les cœurs de ma sœur et de mon frère. Ayaki nani kambaza ngona motema na ye azwa eyano na kombo na Yesu Christ. Il reçoive la solution à son problème au nom de Jésus. Vena ye fumwa ma au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Et si kakoka kite zala ma kukina ye Seigneur. Là où il n'était pas parvenu, soit sa force au nom de Jésus. Pesa ye assurance. Donne-lui de l'assurance. Dirige-lui sur ses chemins par ton amour. Maladie et tout qui s'acquitte la maladie qui avait tourmenté mon frère, l'éclat quitte au nom de Jésus. Ton nom. Et puis sa solution à problème à Zana. Donne des solutions à son problème. Dans le nom de Jésus Christ. Tout ça béni. Amen. Amen.